Eh bien bonjour à tous, j'espère que tous très très bien, épisode 5. Déjà 5, mine de rien, de notre let's play sur Welting Y, Pokémon Welting Y. La dernière fois, je pense que le terme souffrance est ce qui définit le mieux ce qui s'est passé. On s'est fait littéralement latter le cul pendant une heure. Enfin, je pense que je vais faire ça durera moins longtemps qu'une heure dans le rendu final, j'ai pas encore fait le montage de la vidéo, donc voilà. Mais on s'est fait littéralement latter le cul, hein. Très clairement, c'était violent. Par la championne, qui avait une team de Zinzito, hein, je pense qu'on peut le dire. Pour un premier match, c'était assez surprenant, c'était franchement digne de Radical Red, hein, là-dessus. Et du coup, aujourd'hui, vous avez vu, j'ai sorti la chemise pour l'occasion, hein. Nous allons prendre notre revanche, parce que c'est un moment historique qui s'annonce, bien entendu, sur la chaîne. Puisque j'ai entraîné ma team niveau 15-16, voilà, donc Pikachu, ouais, niveau 16, passe rouge niveau 16, qui a El Bourrasque. Le problème, c'est qu'il a que Pic-Pic comme attaque vol, et Pic-Pic, c'est Fléblard, 35 seulement. Il a pris Fléau, cependant, hein. Peut potentiellement être utile. Roussil, il a évolué, hein, mon Fennec, en Roussil, du coup, il a une bonne attaque SP, désormais. Quelle destination va envoyer plus de Tatane? Est-ce que ça suffira? Rien n'est moins sûr. Doudouvet niveau 15 qui a troqué son Volvie contre Méga Sensu. Donc c'est cool. Galifeu qui n'a pas bougé, hein. il était déjà là la dernière fois. Et Azuril niveau 16, mine de rien, qui n'a pas évolué malheureusement. Hein. J'aurais aimé avoir Maril parce qu'un Pokémon de type... Enfin, Aqua Jet stabé ça aurait été fine. Malheureusement... Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc du coup, niveau objet à donner, j'ai pas grand chose, hein. Je pense qu'on peut le dire. Je n'ai pas grand chose à donner. Je pense que Pikachu contre le Arakdo va être fine, mais après, encore une fois, même en ayant cette team-là, je ne suis pas certain de gagner, hein, et c'est le problème. On va quand même tenter de gagner, d'une bonne manière. C'est mon premier défi d'arène, ouais. Il s'agit des armes de la défaite de la jeu de la victoire, toujours mieux déterminé par mon appareil, du moment qu'ils expriment quelque chose de fort. Alors le problème, c'est que les larmes de la défaite, j'en ai bouffé lors du dernier épisode. Alors, heureusement que la musique est un banger, hein, cependant. Un banger, j'irais pas jusque là, mais... Oh si, oh si, si, si. N'ayons pas peur des termes, la musique est stylax. Alors la question c'est qu'il faut pas qu'il fasse Stole Gluante en fait le Arakdo. Faut pas qu'il fasse la Stole Gluante. Bon là c'est... Bon, la dernière fois il y avait une Speed Tie. Sauf que là il n'en est rien. Il fait Vanglace. Mais là il va se soigner. Donc c'est bon. Il n'y a pas de Stole Gluante ni de Danse Pluie. Je pense que c'était le meilleur start qu'on pouvait avoir. Ah mais non, mais du coup, je le tue plus. Parce qu'il a baissé la speed. Ah, quoique... Oh non, je pense que je le tue quand même à cette range. Pas déconner. Ouais, c'est bon. Parce que boule et leg dépend de la speed. Ok, ok. Ah, c'est vrai qu'il y a lui. Et lui, là, il a poison croix, lui. Comment je l'avais géré lui déjà? Avec Roussil je crois. Enfin avec Fennec. Je pense que là le play c'est d'envoyer à la mort Doudouvet qui ne sert à rien littéralement dans ce combat. Je l'ai monté de niveau pour la suite mais... Alors Poison Croix c'est divisé, c'est x4. La chance de survie est proche de la négation. J'en vois Roussil. Ça fait un moment que j'ai pas tourné, hein. Ça doit faire 2 semaines je pense. Donc je me rappelle plus de sa team complètement. Ce qui n'est... Oh, ça par contre je me rappelais qu'il avait la baie qui réduisait les attaques feu, la baie Oka. La baie Choco en français. La toile Elec. Hein. Il baisse la speed. Malheureusement, ça veut dire qu'il me dépasse. Poison Croix. Ok. Roussil qui n'est pas encore de type psy, hein, je me souvenais plus de ça. Mais il n'y est pas. Il n'y est pas. Ok, donc lui il est chiant à gérer. Lui c'est problématique lui. C'est problématique parce qu'il a les pièges de rock déjà. Et en plus de ça...
Bon, enfin, il est chiant, quoi. Il est chiant, il est chiant. Je pense que... Je pense que le play, c'est... Le Pikachu, non? Ouais. Le problème, c'est qu'il a les pièges de rock, quoi. Et il va les placer. Il fait anti-air, ok. Il fait anti-air. Je pense que Boulelec fait des dégâts, là. Elle a utilisé sa potion, moi, donc elle a plus de potion. Oh, les... Ouh, les dégâts sont incroyables. Ouh, les dégâts sont... Ouh là là. Ah ouais, les dégâts. Ouais. Ça se voit que je suis monté de niveau, hein. Roussil, calcination devrait tuer. Il est insecte roche, donc c'est neutre. Ouais. Ok, et 2-3. Il reste Pyronil et... Ah, Pyronil, ouais. Il reste Pyronil, il reste Vivillon derrière. Pyronil, c'est chiant. Vivillon aussi, d'ailleurs. À mon humble avis, je pense que je dois... Mais il en reste un autre aussi, hein. De HKO ? Dommage. Ok. Après, il n'y a que Galifeu pour deux Pokémon. Après, en vrai de vrai... Passe rouge sera prioritaire déjà, hein, avec El Bourrasque. Ouais. Pas de corps ardent, s'il te plaît. Bon. En vrai... En vrai, voilà quoi. C'est... C'est Coolblue qui devrait ne pas tuer. C'est pas tu pas. Attends, est-ce que Galifeu il a vive attaque? C'est bon. Donc il lui reste deux Pokémon. Il reste son Vivillon et un autre que je me souviens pas. Oh, je suis prioritaire, hein, by the way. Les dégâts sont inexistants. Ah, le psy. Ok. Alors, le problème de Rafale Psy, c'est que c'est super efficace sur Galifeu. Hein. Mais après, mais je pense qu'après un turbo, je le dépasse. Ah, bah non. Plus maintenant. C'est quoi, c'est une Pessitrus, c'est ça? Un jus de baie. Oh, pas de paralysie, s'il te plaît. Oh, les dégâts, les dégâts! Oh là là! Ah, c'est Papinox le dernier. Ah, le problème de Papinox, c'est que je le gère pas avec avec Azuril tout seul, hein. Choc venin, ça tue pas. C'est faux. Ouf. Oh là là. Aqua Jet, c'est vrai que ça tue. Ah, ça tuera pas. Oh là 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 là. Azuril qui va gagner grâce à... Ah, quoique, dans Choc venin, ça fait mal, hein. Peut-être pas, hein, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas, peut-être que Choc venin tue Azuril, hein. Aïe, 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 faudrait qu'Azuril tienne le Choc venin. C'est pas clair qu'il le tienne, hein. Après, Aqua Jet tue peut-être, hein. Aqua Jet tue peut-être. Bah, cette range-là, ça tue. Non. Je suis Coloforce, quoi. Ah.
Non, c'est pas possible. Non, mais c'est pas vrai. Ah putain, j'y crois pas. Ah bordel. Bon, ok. Ah, c'est triste quand même ce qui s'est passé. Je veux pas le dire, mais c'est comme triste. Mais c'était marrant. Mais c'est triste. Marrant et triste à la fois. Bordel. Bon. Le pire, c'est qu'Aragdo, il avait fait... il avait fait le play qu'il fallait. Il avait fait ni toile gluante, ni... ni danse pluie. Voilà qui est malencontreux. Ah, si tu veux pas recommencer là. Refais vent glace là. En vrai c'est le, on va dire c'est le moins grave, c'est le moins grave parce que la toglure c'est au Toulouse. Hein. Tandis que ça bon. Tandis que ça, bon. Statistique. Bah, statistique, c'est vite vu, quoi. Le problème, c'est qu'elle a... Enfin, le problème, c'est qu'elle a pas la token, c'est qu'il y a le... Après, peut-être que si j'envoie passe rouge... Ah, c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que malheureusement bon il est électrique, j'ai oublié ce détail. Je suis obligé de stall là. Mais pourquoi il fait pas toi l'élec? Bon, ça me va hein. Mais... La pluie s'est arrêtée. Il faudrait qu'il m'affaiblisse encore plus comme ça je peux faire fléau derrière. Ah oui, fais-toi les lecs là, malheureusement. Mais là, je pense que même avec l'abbé, il meurt. Hein. Je pense que même avec l'abbé, il meurt. Hein. Ouais, nice. Ok. Je pense que là le play c'est Pikachu. Hein. Après c'est qu'il va passer ses PDR quoi. Je suis full vie donc on y place. Ouais voilà. Je comprends le but de l'IA. En fait quand l'IA sait que tu peux tuer. Quand l'IA sait qu'elle peut tuer, elle place les PDR. Bah non. Elle attaque justement. Et quand il est hors de portée de kill. C'est le contraire. Le problème c'est que prendre 25% là ça m'arrange pas trop. Alors Pyronie, est-ce que... Bah en vrai, à part taper, j'ai pas grand chose à faire. Hein. Dash Chaos serait fine. Oh nice. Il est trop charge, le problème c'est qu'il me dépasse. Ouais. À moins qu'il statique. Statique Pikachu. Coup dur. Un coup dur. Il aurait mis 6 coups de boule, j'avoue, j'aurais le seum. Pika, pika. Ah, mais c'est vrai qu'il la garde. Oh, OMG. Attends, faut que je n'y trop charge en vrai là. Je pense que c'est plaire. Hein.
Aurore, votre pote. Idéal serait qu'il mise ce petit coup de boule, bien sûr. Il fait Aurore, bah vas-y, fais Aurore. Ok, je l'ai à portée de kill. Nice. Donc il reste Papinox, Prismillon et c'est tout en fait. Et c'est tout. Pourquoi de Prismillon, c'est que... Non mais trust. Après Papinox, c'est ce qui tient vraiment le Cassination, c'est pas clair. Hein. Ouais, il le tient. Il le tient bien même. Là j'ai peut-être Ah vas-y fais ça si tu veux. Ça sent bon là quand même mine de rien. Ça sent bon cette histoire là. Niveau 17. Pour Roussil là. Ok, Prismillon. Oh, les dégâts sont convaincants. Il fait parasport, mais faudrait que j'attaque. Avec de la RNG défavorable, je peux encore lose. Hein. Ok. Oh, ce soir, ouais, c'est gagné. Allez. Nice! Enfin! Eh, j'ai bien mérité ma victoire, hein. Vous êtes vraiment photogénique. Hein. Ouais. J'ai l'œil et le bon, tu sais. J'ai envie de dire que. Non, j'affirme. Tour aussi, toi, vous êtes là. Faites la paire. Vous savez attirer attention et vous mettez ça. Badge 1 avec la sueur de mon front, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le blush coléoptère. Avec ce badge, les Pokémon jusqu'au niveau 30 environ sont branchés et même obtenus par échange. Harcèlement. Ah bah c'est pas... non, moi c'est sur 27 qu'elle donne, je crois. Si j'ai pas de conneries, je crois que c'est sur 27 qu'elle donne. Donc, harcèlement, c'est mieux quand même. Mais c'est dans tous les cas, c'est pas incroyable. Hein. Ah oui, c'est fini, un mode du jetable. Ah bah tant mieux. Ah mais attendez, mais là, elle a converti... là, elle a dit harcèlement. Mais c'est sur 27 ou harcèlement qu'elle donne d'habitude. Parce que si elle donne sur 27 d'habitude... Non, c'est bien sur 27 qu'elle donne d'habitude, parce que si... Là, ça confirmerait que la traduction est faite aussi en français, ce qui est cool. Hein. Du coup, ça veut dire que... J'ai bien fait de jouer en français, quoi. Fine. Mais confirmez-moi hein, dans les commentaires si vous savez si... Enfin, de toute façon, je pourrais vérifier tout seul, mais... ça rajoute de l'interaction avec le chat... Avec le chat. Avec les viewers. Que c'est bien... sur un sec qu'elle donne, normalement. Si le cas, ça confirme bien que la traduction est faite, même en français, ce qui est cool, hein. Oh, le badge coléoptère, bien bien. Ce que j'ai tué de faire une visite surprise au labo Pokémon à Ulumis après un crochet. Par la son Pokémon pour soigner ton équipe. A mon avis, même ce blasé de professeur qui t'a confié son Pokémon ne doit pas en revenir. Ah ouais. Mais quelle arène de ouf, n'empêche, hein, parce que regardez-moi ça. Oh là là. Fallait avoir une sacrée équipe hein, pour la battre. Hein. Bref. On va avancer un petit peu quand même. Histoire de pas rester juste sur ça. L'épisode fait que 20 minutes. On va avancer un petit peu. Mais il va pas être trop long l'épisode non plus parce que j'ai pas énormément de temps devant moi là. On va se diriger vers la route suivante.
en espérant que on ne soit pas entre guillemets surpris par d'autres dresseurs compliqués. Non, je l'ai, j'ai. Ouais. Ah ouais, ouais. Alors, je crois qu'il faut l'activer le multi-exp, cependant. Il est, c'est ça, un peu, mais l'activer par défaut. Alors, vu la difficulté du jeu, à mon humble avis, je pense que ce serait plus judicieux de les laisser activer. Vous en pensez quoi, vous? Je pense que c'est une bonne idée, non? Route fleurie, qu'est-ce qu'il y a ici, là? Ah ouais, quand même. Togekiss, c'est fine, hein. Ah. Donc, je pensais qu'il y avait eu le bug pour tenir. Je me suis trompé. On check un peu ce qu'il y a dans les hautes herbes. Après, ceci, j'ai une doc, hein. Ça a pas l'air d'être... d'être ça, hein. Ouais. Passé, hein, oh là là, c'est poussif, hein. C'est poussif, hein. Allô? Encore un objet. Au secours, au secours. Voilà. Hein. Ouais, je pense que voilà, ça me paraît plus grand, plus mieux de faire ça. Bon, lui je m'en fous. Alors de mémoire, la deuxième arène est vraiment pas tout de suite. Il y a un dresseur là. Vu. Merde. Spinda, je m'en fous. Togepi, c'était pas mal, hein. Pour Togekiss, éventuellement. Bon, après, Togepi, le problème, c'est que c'est un point mort pendant... pendant fort longtemps. Bon, bon. Oh... Faut savoir faire un choix et je pense que je vais pas le prendre. Il y a un dresseur là-bas, hein, clairement. Et il va jusque là, ok. C'est un scout. Vas-y, go, passe rouge en vrai. Il est voulu niveau 18 passe rouge, donc j'ai envie de... Voilà. Ah non, pas du tout. C'est pas un scout. C'est un... Ah oui, d'accord. Lucas le jardinier. Et Crapince. Donc j'aurais dû garder Pikachu, hein. Bien entendu. Niveau 15. Ah ouais, non mais en vrai, l'XP que j'ai faite... elle est réelle, hein. Enfin, elle était réellement utile, je veux dire. Ouais, bon, vu les dégâts qu'il m'a fait, il a probablement adaptabilité, hein. Mais, ouais. Ouais, Trition qui est neutre, qui a fait à peine plus.
mon avis, l'adaptabilité, je pense. Paras. Fertilisation. Je connaissais pas. Oh, 4, ça doit tuer, non? Ouais. Ok. On sait l'équilibre des types. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Il n'y a pas Oui, voilà, c'est ça. Alors en vrai de vrai, Flabébé m'intéresse. Flabébé m'intéresse réel. Après, encore faut-il en trouver un qui ait une bonne nature, quoi. Bon, après, je checkerai la doc de mon côté pour voir si c'est des Pokémon intéressants à choper à chaque fois. Hein. Histoire de voir que je joue personne intéressant. Florge dans la team, ça peut être intéressant, why not? Je ne me vois pas garder Azumarill, je vous avoue, il a pas une nature. Enfin, sa nature est. Sa nature n'est pas terrible. À moins qu'il y ait les Ormas dans le jeu. Là, ça changerait tout, bien entendu. Mais je ne pense pas que les Ormas soient dans le jeu, hélas. Allez, petit Flabébé rigide là? Relax, fais quoi, relax déjà? Moins speed, plus défense. C'est pas nul, hein, mais bon. En plus, son talent, vu qu'il va y avoir plus de combat duo et de combat triple, ça peut être pas mal. S'emporte facilement, ça par contre, c'est chiant. Je recapturerai peut-être un autre de mon côté, probablement. De toute façon, les Pokéballs hein, coûtent moins cher dans le jeu. Pourquoi je me suis pas soigné? Si? Ouais, non. Votre équipe a retrouvé la santé. Après, ça me fait quand même déjà... J'ai quand même déjà deux types fées hein, dans la team. Hein. Après, Farfa Duvet et Azumarill, je pense pas les garder, mais bon. Peut-être trouver autre chose, en vrai, hein, je sais pas. Où je fais une mono fée-feu. Enfin, c'est, du coup, c'est plus une mono, mais... Un duo type, quoi. C'est plus mono type, c'est duo type. Ouais. Stop and go. Je crois que c'était un combat triple. Bah, j'ai eu un feeling comme ça, mais non, en fait, c'est pas un combat triple. Oh, cool. Vas-y, Pikachu, viens. Moi je vais accélérer le combat. Allez, boule Lex se dégage. Il a fait engorgement du coup, hein, je l'ai vu. Et aussi le monté nous dit Rafale Psy, c'est pas stabé, mais on prend. Bah, griffe, salut, hein, clairement. Ah, super! Et en plus, je me suis pris un crit. Pasco.
Masco, il est déjà dragon, vous pensez? Non, je pense pas. Les Pokémon déchirent. Par contre, les... La gueule des teams, c'est un délire. Hein. Eh, hey, il évolue niveau 17. Ok. Bonne nouvelle, ça. Je crois qu'il est feu, lui, déjà, non? En tout cas, j'ai trois types feu, ça y est. Ouais, il est feu, ouais. Bah non, je vais plutôt lui apprendre l'hydrocharge, en fait. Il est feu, on est d'accord. Eh oui. Ouais, bah je vais prendre l'hydrocharge. C'est intéressant. Ah mais j'ai pas de nitrocharge. Du con. Après je vais prendre calcination qui est mieux flamèche dans tous les cas. Vas-y go. Vas-y go 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 go. Oh j'oubliais. Est-ce que j'oublie hâte? Vas-y. On serait fan qu'il y ait les aromates dans le jeu mais... Tout à fait honnête avec vous, j'en suis guère sûr. Hein. Vas-y, on visite encore cette fontaine là. Alors, le problème c'est pourquoi à chaque fois que j'envoie un Pokémon, c'est pas le bon match-up. Quelqu'un peut m'expliquer? C'est quand même un délire. J'accélère. En vrai, les combats, je les accélère, je pense. Ouais, je serais pas lancé une bourrasque. Ah, mais. Ah, ouais! Quoi? Genre, ils ont des sets comme ça, quoi. Des dresseurs random à ce stade du jeu. Mais c'est une dinguerie. Je pense que là, on fait pire que Radical Red, en vrai. Parce que Radical Red, les dresseurs random, c'était à chier. Mais c'était normal, quoi. Incroyable quoi. Sport coton, mais j'ai pas farceur sur lui, c'est chiant. Bon, par sport c'est mieux. Oula. Oula oula. Oh t'as turbo, c'est sûr. Insane, hein. Oh! Mine de rien, les dégâts, c'est bien. Hein. C'est vraiment fort d'avoir Elbourrasque, quand même. Hein. Carvana. En vrai, c'est vraiment fort d'avoir Elbourrasque, hein, la vérité. Il a turbo aussi, hein, c'est un délire. Hein. Il est voulu Azur, il a regardé, hop. C'est faux. J'ai menti. J'ai combattu tous les dresseurs sur cette fontaine ou pas? Il y en avait que deux. Hein. Je vais faire un dernier combat pour la route et puis après j'arrête là. Allez. Non mais soyez pas timide là. Ah. En vrai j'ai envie de capturer un second pouvoir. Ah bah pourquoi je vais accélérer hein. Vous m'excuserez hein. Parce que là on se fait clairement chier quoi. Mais je vais paralyser cependant lui. Ouais c'est bien ouais.
Bon, je pense qu'il rentre. Je garde l'accéléré parce qu'on va sans Pokémon là. Hop. Et on va regarder de Flabébé, puis surtout après on va s'arrêter. On n'aura pas fait grand chose aujourd'hui au final, mais bon. La prochaine fois on ira dans la prochaine ville, on aura Illumis du coup. Probablement. Bielumis, la prochaine ville, hein, si je m'abuse. Eh ben c'est, attendez. C'est Bielumis la prochaine ville, hein. Bah c'est ça. C'est bien Lumis. Moi je redécouvre complètement Kaolos, hein, je vous le dis. Très longtemps que j'ai pas joué au jeu. Bizarre, c'est neutre. Alors en l'occurrence... En l'occurrence il est mieux lui, hein. Il est mieux, l'autre il a une bonne défense mais c'est normal. Ouais vas-y tu sais quoi toi je te relâche. Et voilà quoi. Et voilà ce que je te prendrai pour le prochain épisode peut-être. Dommage qu'il est pas farceur lui quoi, c'est ça le problème. Mais bon. Et puis en off, je checkais aussi les Pokémon qu'il y a sur la route, si jamais il y a des Pokémon intéressants, je les attraperai probablement. Merci à tous, en tout cas, pour cette vidéo. Enfin, d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, c'est très rapide, et surtout, c'est extrêmement motivant, puis ça aide au référencement. Et si vous avez quelque chose à dire, bah, laissez un commentaire, bien sûr. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 6 de Pokémon Wilding Y. Ciao, bye, tout le monde.